niveau national, un lancement technique a déjà été organisé. Alors, il était de bon ton que cela se fasse au niveau des régions bénéficiaires du projet, et qui sont les acteurs principaux de mise en œuvre de ce projet à la base. Et d'où la tenue de ce lancement technique régional qui vise à mobiliser l'ensemble des acteurs au niveau déconcentré afin de susciter leur adhésion, afin également de les amener à prendre un engagement pour participer de manière active dans la mise en œuvre de ce projet au niveau de la région bénéficiaire. Comme Madame le gouverneur l'a si bien dit, c'est un projet qui vise à renforcer les conditions de vie des populations et, ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, pour ce faire, il est prévu d'intervenir sur un certain nombre de domaines, notamment l'aménagement des terres à travers la maîtrise de l'eau pour ce qui concerne les périmètres irrigués. Il est également prévu l'aménagement de bas-fonds. Il est également prévu la réalisation du périmètre maraîcher et le jardin nutritif pour ce qui concerne le volet infrastructure de production. Il est également prévu le renforcement des chaînes de valeur agricole, notamment à travers le financement de sous-projets dans les domaines agro-silvio-pastoral et halieutique. Le projet également envisage de réaliser des plateformes multifonctionnelles ainsi que des biodigesteurs au profit des populations bénéficiaires. Et il est également enfin prévu un important volet de renforcement des capacités des bénéficiaires pour ce qui concerne les bonnes pratiques en termes nutritionnels et également en termes de changement de comportement pour ce qui concerne les aspects liés à la santé, etc. Donc voilà grosso modo ce qui est prévu au niveau de la région.